Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau jeu que l'on va découvrir ensemble, Yonder the Cloud Catcher Chronicles. Alors, j'ai fait 2-3 minutes du jeu et c'est un jeu donc que j'ai envie de découvrir avec vous. Donc, c'est parti. Alors, on peut choisir son personnage, on va prendre un homme. On peut choisir donc la couleur de sa peau, un peu bronzée. La silhouette. Il me paraît bien. Voilà. Les yeux blancs. Allez, c'est parti. Cher enfant, nous séparer de toi nous a brisé le cœur, mais c'était le seul moyen de te protéger des ténèbres qui gangrénaient nos terres. Quand tu partiras en quête de la vérité, fie-toi à cette boussole céleste pour te guider. Elle te fera traverser la mer, l'obscurité et la lumière, mais elle te guidera toujours jusqu'à chez toi. Gemea. Alors, on peut bouger. C'était quoi les touches? Alors, A sauter, X rien, Y rien, B rien. Ah oui, voilà, c'est la boussole là. C'est le haut du pad. Qui va indiquer donc nos objectifs. Et discuter. Vous direz que votre boussole indique cette nappe de brouillard. Ça a l'air épais, je ferais mieux de monter sonner la cloche. Les vieux loups de mer pensaient que nous ne trouverions jamais l'île car les vents seraient toujours contre nous. Ils avaient tort. Vous direz que votre boussole... Bon, d'accord. Si. Alors, toi. Alors la légende disait vrai, le royaume il existe pour de bon. Je me demande si nous y rencontrerons des créatures inconnues. Oui, il se répète, ok. Si votre boussole dit vrai, Gemea se trouve juste derrière cette nappe de brouillard. Vous êtes prêt à apercevoir enfin l'île? Eh oui, on est prêt. Mieux vaut raccourcir la voile, le temps commence à se gâter. Fermez les écoutilles et consolidez les cordes, ça va devenir intéressant. Le brouillard n'est pas un problème. Luffy, le marin, va sonner la cloche pour avertir les autres bateaux de notre présence. C'est Luffy! Mieux vaut raccourcir la voile. Voilà, voilà. Ça s'énerve là. Argh, ça ne s'annonce pas bien. Attention camarade, vous risquez de passer par-dessus bord. Ah, pour si c'est la okay. Ah ben on a pris la foudre. Aéri, n'ayez crainte, augure d'esprit. Vos amis et vous êtes en sécurité. Vous les reverrez, mais vous devez d'abord accomplir une tâche.
je suis Aeri, autrefois fier protecteur de ces terres. Je vous attendais. Puis-je voir votre boussole ? Voilà. C'est ce que je pensais, une boussole céleste. Utilisez-la si vous vous perdez. Elle vous guidera. Mais pour l'instant, votre chemin est jonché d'obstacles. Ma famille peut vous aider, mais elle est elle-même perdue. Trouvez les membres de ma famille et ils vous ramèneront chez vous. À présent, augure d'esprit, réveillez-vous. Votre périple ne fait que commencer. Alors, promenons-nous. Ah oui. Voilà. Donc les caisses pour l'instant, en tout cas on ne peut pas les ouvrir, je ne sais pas si plus tard on pourra. Là on peut ramasser des pierres. Content. Un être humain. Ça fait bien longtemps que je n'en avais pas vu. Toutes les personnes qui pouvaient me parler sont parties. Aidez-moi à sortir d'ici, je vous en prie. Je ne veux plus être seul. Eh ben allez, sortons de là. Oh, les champignons. Oui, on ramasse. Une pierre là-bas. Et j'aime bien les pierres. C'est meilleur que les champignons. La sortie est de l'autre côté de l'obscurité. Mais ce n'est pas bon pour vous autres, les humains. Je vais essayer de m'en débarrasser si j'y arrive seul. Quelle puissance! Ouf, ce n'était pas facile. J'aurais aimé avoir mes frères et sœurs à mes côtés. Si nous nous associons, nous pourrons sans doute les trouver. Eh ben allez, let's go! Et ça y est, l'aventure commence! Oh! Il y a un village là-bas. Allons voir ça. Vous n'avez vraiment pas bonne mine. On vous trouvera certainement de l'aide sur place. N'oubliez pas, si nous nous perdons, vous pouvez utiliser votre boussole céleste. Elle peut aussi vous servir pour planifier vos voyages. Allons, prenons la direction du village. Alors, planifions notre voyage. D'accord. Activez cette tâche. Je crois qu'elle est déjà active. Alors, le shampoing rouge. Je croyais que c'était pour se laver les cheveux. En fait, ça, on se teint les cheveux. Shampoing rouge. Pas le jeter.
bâton. Une liane. Super. Alors. C'est quoi ça? Fabriquer des objets. Je vais fabriquer des cailloux avec mes pierres. Déplacer. Bon, je sais pas. On verra plus tard pour fabriquer les objets. On va ramasser des fleurs, des lianes, des morceaux de bois. Vous avez découvert Chamarron tacheté. Il s'aronronne. C'est mignon. Alors. Il veut parler avec nous. Bonjour voyageur, on dirait que vous avez traversé de grandes aventures. Entrez, je peux vous proposer de la nourriture chaude et un lit moelleux. Oui, je fais. Les habitants de la ville vous accueillent chaleureusement. Vous avez le ventre plein et vos soucis s'estompent. Vous vous endormez dès que votre tête touche l'oreille. Oh, tenez. C'est beaucoup mieux. Vous avez à nouveau l'air de taille à faire face au monde. Une dernière chose avant votre départ. Depuis ce terrible accident, il y a des années, des obscurités nous compliquent la vie un peu partout. Mais les habitants de la région sont amicaux et nous adorons partager nos connaissances. Demandez autour de vous et vous aurez bientôt toutes les compétences nécessaires pour progresser dans ce monde. Oh bah super ! Nouveau vêtements. Alors. Ah, les voilà de nouveau. La tunique de base. Manteau en lambeaux. Non, voilà, c'est... Non, voilà, c'est quand même bien mieux. Hey! Merrick, la tempête qui a renversé votre navire a aussi détruit le quai Est. C'est un gros problème pour nous. Nous sommes une guilde marchande, vous comprenez? Sans le quai Est pour faire entrer les marchandises, nous ne pouvons pas vous aider. Voyons voir. Prenez cette masse et récoltez de la pierre pour Marina. 8 pierres devraient lui suffire pour remettre le quai Est d'aplomb. Vous trouverez de la pierre vers les prairies et les falaises. Lorsque vous en aurez assez, rapportez-les à Marina sur la plage. Ok. Tiens, toi, t'as quelque chose aussi? Oh bonjour, on m'avait bien dit qu'il y avait une nouvelle tête dans la région. Vous voulez apprendre le commerce, hein? Eh bien, il ne suffit pas d'échanger des trucs contre des machins, vous savez. Un marchand doit se montrer créatif. Regardez, allez me chercher une liane et 3 bâtons et je vous révélerai un secret de la profession. Bon alors, est-ce que vous avez pris? Ce que vous avez pris, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Vous pouvez les échanger, mais vous pourrez aussi fabriquer de nouveaux objets à échanger. Ils vous donneront généralement davantage que les matières premières. C'est ça, la fabrication. Tenez, je vais vous donner une recette utilisée avec ces objets que vous avez rapportés. Wouhou, 4 réussis. Alors... Fagot de bâton bien ficelé. Ah, il me manque des bâtons. Donc. Non, c'est pas ça. Je veux aller chercher l'aine, ok? Faire rouvrir le quai Est. Donc c'est par là-bas.
Ah oui, donc LB ou RB pour changer. Et ben voilà. Parler à Violette. Oh. Je crois que je veux devenir comique. J'arrive à faire sourire et rire les gens, juste en parlant. Ah bah tiens, c'est vraiment chouette. Oh. Mais il me manque la blague, celle qui fera rire tout le monde. Mon chef-d'œuvre, mon magnum opus. Oh. Et flûte, je sais que je ne la trouverai pas ici, en discutant avec vous. Ne le prenez pas mal. Il faut que je voyage pour trouver ma blague épique. Nous nous reverrons peut-être. Ou peut-être pas. A plus! Alors, où vont des rochers? Pour l'instant, c'est des lianes. D'accord. Fino McMalin. Bonjour, c'est donc vous la personne qui s'est échouée sur la côte un peu plus tôt? Pas étonnant, vous m'avez l'air un peu faible. Il commence bien, lui. C'est important d'avoir de la force, il faut des gros muscles comme les miens pour couper du fourrage toute la journée. Regardez, prenez cette faucille et montrez-moi ce que vous savez faire. Coupez les herbes hautes et rapportez-moi 10 fourrages. Il n'est pas capable de le faire lui-même. Entrez ces détails dans votre journal pour ne pas oublier. Moi, bon, ça va, j'ai pas non plus une mémoire de poisson rouge. Alors, fossile, faucille. Voilà. Je t'ai tout coupé. Oh. Ces herbes hautes n'ont aucune chance. Vous avez plus de force que je ne pensais. Ah. Je vous avais dit qu'il était important d'avoir des gros muscles comme moi. Mais c'est aussi important d'avoir un gros cerveau comme le mien. Et une grande calvitie aussi. Comme ça, vous pouvez vous arranger pour que d'autres coupent votre fourrage. Mmh. Merci. Bon, au moins j'ai réussi une quête. Il faut trancher. Attention chérie, ça va trancher. On va reprendre notre marteau. Et on va aller casser... Tiens, des pierres là-bas. C'est bon, j'ai tout ramassé. Ah, il y a la plage au fond. Des lianes. Un morceau de bois. Un coffre, on va aller le piller. Pillage, c'est bon ça. Des lunettes à monture noire. Ouais, c'est de la déco. On n'a pas besoin, mais c'est quand même... Alors, Marina. Et ça, ça va là, et ça, ça va là. Ah, bien le bonjour. Oh, vous avez tout ce qu'il me faut pour finir? Ce serait mieux que de tout bricoler avec du bois flotté et des coquilles de crabe. Avec ce sera vite fini, et le commerce pourra à nouveau circuler par Fermont. Wouhou, 4 réussis. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur le...
Ça a été nul d'être moisé ici. Locke. Bref, partons et rangez-moi dans votre sac à dos. Eh ben voilà. Alors, ah, on peut aller. Voilà, lui c'est le commerçant. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui vendre? Un sac à dos. Déplacer Pierre en combien d'exemplaires? Attends, on va tout lui mettre. 12. Bon, c'est pas terrible. On va tout reprendre. Fagot de bois. Comment on valide? Tu l'as vendu? Non, je pense pas. Non, il est là. Pourquoi il me dit non? Non. Non. Bon, bah tant pis. Il veut pas. Je sais pas pourquoi. Tiens, on va parler au petit vieux. À Francis! Et il paraît qu'à Corniche Boisée, tout le monde a envie d'acheter des articles de décoration. Je trouve que le poisson salière a une drôle d'odeur. Mais c'est extraordinaire. La baie Mocha abrite la base de la guilde des chefs. Le beau temps et les bons petits plats vont bien ensemble. C'est passionnant de ce qu'elle dit. Les scombles sont tellement adorables. Faites attention à l'obscurité. Il paraît que Corniche Boisée... Je t'ai déjà raconté ça. Ah bah voilà, il s'en va. Alors, toi, commerce, est-ce que là tu me les... Non. Pourquoi il me dit non? Non, non, c'est non. Oh. Le quai Est est à nouveau en état de marche et je peux reprendre mes fonctions de maître des quais, grâce à vous. Ah. Alors, parler en haut à droite là, je vois parler à Mini. Attends, c'est quoi? Bon, on va retourner là. Oui, on va la retourner à Formont. Bon bah je vais arrêter là pour cette première partie. Et j'espère vous retrouver pour la suite des aventures très prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !